Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour. Attendez, je me suis bloqué le câble. On se retrouve pour le Grand Prix de Monte Carlo à Monaco, du coup. Et donc j'ai fait les essais libres. Donc on va voir ce que ça donne en qualification maintenant. Alors je sais pas ce que ça va donner du tout. Hein. Concrètement, j'ai même pas pu comparer avec l'IA. Je pense que j'ai un setup qui est correct. Je me demande si je vais pas remonter un peu les ailerons par contre. Légèrement, ouais. Je vais le mettre à 65. L'appui arrière à 65 aussi. On va démarrer la séance de qualification. Donc ouais, j'espère que là, on va pouvoir réussir à faire quelque chose, parce que ça devient un peu critique. Souvenez-vous, donc, pour ça j'ai souvent répété, à chaque fois qu'on passe sur ce circuit, donc l'anecdote vous la connaissez pour beaucoup. On est avec Mika Salo en plus, ça tombe bien. Mika Salo qui est le dernier pilote, il me semble, avoir fini un Grand Prix sans s'être arrêté. Puisqu'à l'époque, le circuit s'est arrêté au bout de 2 heures, mais sans avoir fait 100% des tours. Et Mika Salo qui avait un moteur V8 qui était pas très gourmand, en plus il pleuvait énormément avec la victoire de Schumacher, Barrichello deuxième, etc. C'est pas Stewart d'ailleurs qui marquait ses premiers points. Du coup, avait marqué 2 points pour tirer, les 2 derniers points de tirer en Formule 1. Et écoutez, on se retrouve sur le même circuit et on va essayer peut-être de faire la même chose. Pourquoi pas? Alors on pourra pas gérer ce nombre d'arrêts, mais peut-être avec les performances on peut s'en sortir. Donc 12 tours, toujours pareil. On va voir ce que ça peut donner. C'est pas un circuit facile, évidemment. À la conception de la Stewart, aïe. Les pontons latéraux très serrés. Oh, j'ai tapé, j'ai déjà tout perdu quand j'en sors. La quantité de débris qui peut s'amasser pendant la course sur la grille du radiateur. Car cette accumulation peut entraîner une perte d'efficacité de refroidissement de l'ordre de 10 à 20%. C'est salaud! Oh non, il s'est fracassé dans le rail, j'espère qu'il n'est pas gravement blessé. Ouais, ça commence bien. C'est une tirette. C'est genre d'erreur, je n'ai pas fait en essai, d'ailleurs, au passage. Donc c'est encore un truc qui va m'arriver qu'en qualification en direct, histoire de changer. Allez, c'est parti. Pour une 17, c'est extrêmement mauvais. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Ce tour semble moins rapide. Là, je suis en retard, j'avais l'impression d'avoir fait un bon secteur, c'est quand même étonnant. Toujours le dézoom hein, propre à F1 97. Alors le 95 il n'y avait pas ce dézoom il me semble hein, sur la, dans la. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Il est en avance sur le leader au deuxième intermédiaire. Allez, on va finir le tour, j'espère que ça... Alors, une 14 pour Hill, mais sur la rose. Oui, je crois que nous le verrons occuper la pole position dans la course demain. Une 12.8, c'est pas mal, je crois que c'est mon record d'ailleurs. On va voir si je peux faire mieux encore un peu ici. Troisième, il rétrograde en seconde. Il passe la quatrième. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce premier tour. Il faut vraiment que je remette mon premier secteur. Je fasse bien dans le deuxième et troisième. Troisième, il passe la cinquième. Cinquième vitesse, il passe la sixième. Il fait apparemment un excellent temps en ce moment. Bon, il est en avance au deuxième intermédiaire. C'est salaud! Il semble qu'il ait effleuré le rail. Aïe. On va essayer de faire mieux, hein. Encore autant de notre chance. Il faut vraiment pas passer, laisser passer l'occasion de marquer des points, voire mieux. Un point virage, il y a moyen de le prendre bien vite, hein. Ça c'est pas mal. S'il parvient à garder cette allure, il figurera en bonne position sur la grille de départ.
Alors, double droite en descente est quand même assez difficile. Et surtout cette chicane là hein, qu'il va falloir. Et si je compare ce temps, il est en retard. Je suis en retard, mais je peux te faire mieux dans le deuxième secteur. Salaud! C'est sûr, c'était un léger choc sur le rail. Voilà, j'ai tout perdu. Ah, c'est vraiment pas évident, regardez, à chaque fois que je top un petit peu, c'est des dixièmes perdus. Bon, là, je vais faire un moins bon temps. C'est une tirelle. Ah, il a probablement laissé un peu de gomme. Il a encore loupé. Ah, je suis à la limite en fait partout et du coup bah, c'est difficile de faire ça, de louper rien sur un tour entier. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. Ce tour semble moins rapide, il est en retard au premier temps intermédiaire. On va voir si on peut améliorer quand même. Là on est à 7 dixièmes mais peut-être qu'on peut faire un... Un bon deuxième secteur. Ouais, je coupe légèrement la chicane aussi. Hein. Je ne pense plus pas que légèrement. Là, je n'hésite pas à y aller. Hein. De toute façon, j'ai rien à perdre. Ce type de performance aura très certainement fait augmenter sa valeur. Ouais, mais à chaque fois, je tape ici. C'est salaud. Comme en Raider, hein. Les pieds, même à l'heure actuelle, continuent de se prendre cette bordure. Il rétrograde en premier. C'est souvent. On va recommencer. Salaud. Ah, j'ai encore plus dur. Sachant que le circuit est plus dur que maintenant, hein. Les bordures sont encore plus proches dans certains virages, notamment le premier virage. Il est déjà en retard sur son meilleur temps au premier intermédiaire. C'est une tirelle, un petit choc ici, Jacques, je crois. Vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. Je suis obligé de tapoter pour bien prendre le virage. Bon, ben, je pense que j'ai pas forcément atteint la limite, mais là, ça va être difficile d'améliorer ça. Sur cette portion, il est en retard par seconde 8, j'ai déjà tout perdu. Alors pour l'instant, je suis en pole position, hein. J'ai aucune voiture qui m'a dépassé. Après, c'est le début de la séance. Bon allez, on va essayer de faire un dernier tour propre. Si on n'y arrive pas, on passe à la course. C'est dans un Grand Prix comme celui-ci que ces nombreuses années d'expérience en Formule 1 vont faire la différence. Et si je compare ce temps, il est en retard au premier temps intermédiaire. Je suis en retard là, mais c'est pas grave. Là, je suis mieux ressorti. Il est en avance sur le leader au deuxième intermédiaire. Ouh, Schumacher m'a dépassé. C'est salaud. Il a probablement laissé un peu de gomme. Mince, bah on s'est loupé à la sortie. Allez, je tente tout pour le tout. Ce premier temps intermédiaire est vraiment plus rapide que ne l'est le meilleur temps de qualification actuel. Les nouvelles règles de sécurité en matière de conception c'est bon. Ont imposé aux écuries d'ajouter une structure déformable derrière la boîte de vitesse de façon à assurer la protection du pilote en cas de choc arrière. Ferrari avait déjà effectué cette modification l'an dernier et résolu la plupart des problèmes auxquels les autres écuries ont été confrontées. Par exemple, des vibrations excessives risquant de provoquer des fissures dans les fixations de l'aileron arrière. Il fait apparemment un excellent tour en ce moment. Il est en avance au deuxième intermédiaire. Ah, c'est le dernier secteur, j'ai l'impression d'être beaucoup plus long. On va voir. Ça yes place très certainement en pole position. Oh là, on a 9 dixièmes d'avance. Une 11, 221. Pouf, à 2-3 tours de la fin des qualifications. On va faire fin des qualifications. Oui, continuer. On va revenir à la configuration de ma voiture. Je ne vais pas spoiler le résultat des qualifications. Donc on va faire pause au niveau du jeu.
Comme ça, on verra la grille de départ, même si moi je vais le voir, mais je ne vais rien dire. J'essaie d'appuyer sur X très vite. On va essayer de jouer le jeu. Allez, hop, je rate pas. Ok, c'est parti, démarrer la session. D'ailleurs, ce que je vais peut-être faire, je vais remonter un peu les ailerons. Parce que j'ai vraiment du mal en fait à prendre les... Allez, c'est parti pour le Grand Prix de Monaco. Nous allons voir combien nous allons partir sur la grille de départ. Nous voici au cœur de la célèbre principauté de Monaco, site du plus fameux Grand Prix de la saison automobile et joyau de la Formule 1. L'ambiance ici est incroyable, mais bien souvent, les résultats sont sans surprise, car la piste, étroite et sinueuse, ne permet pas facilement de dépasser. Cela n'a pas du tout été le cas l'année dernière, avec tous les rebondissements que nous avons connus. Schumacher sortait dès le premier tour, Hill et Alesi prenaient tour à tour la tête et devaient abandonner sur incident mécanique, puis Olivier Panis remportait finalement une victoire bien méritée. Espérons que la course d'aujourd'hui sera aussi passionnante. Et on partira donc troisième, ce qui est excellent. Franchement, je suis content. Je suis dans les six premiers, en plus c'est Monaco. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. J'ai déjà plus de doigts, c'est tellement... Et c'est parti. Il file vers le premier virage. Il va perdre sa place sur le podium, à moins qu'il ne réussisse à revenir. Il est entré en collision avec Orvail. C'est salaud. Il a dû taper l'oreille. On joue les autotampons. Waouh, attention. Ah, j'ai pas eu des places au départ. Il vient de heurter. Aïe, le Jordan. Ouais, ça va, bah écoute, on va faire avec. Hein. Vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. J'ai perdu énormément de place. Bon, je suis cinquième, ça rappellera ben, justement l'histoire. Du coup... Mika Salo qui avait d'ailleurs failli marquer plus de points en 96, hein, si Irvine n'avait pas bouchonné après son accident dans la descente après l'épingle du Leuze. Il aurait pu peut-être finir quatrième ou mieux. On va essayer de recoller, voir si c'est possible en tout cas. Deuxième tour. Ah oui, on peut recoller. Elle est un peu plus maniable, elle tourne un peu mieux en tant que je rehausse les ailerons. Cette performance aura très certainement fait augmenter sa valeur d'ici la fin du week-end. C'est une Tyrell. Juste une touchette sur le bord du rail, cela ne devrait pas le ralentir. Et l'écart se comble. Ouais, pas mal. On est bien. C'est vraiment le secteur où j'en sors le mieux. Maintenant, en tête de la course, Michael Schumacher. En deuxième, Williams numéro 1. À la troisième place, Jean Alesi. Quatrième, Eddie Irvine. En cinquième, Mika Salo. À la sixième place, Giancarlo Fisichella. Ils doivent se concentrer sur deux choses. Essayer de doubler la voiture de devant et tenir la voiture de derrière à distance. Non, si vous n'entendez même pas la manette quand je joue parce que elle est tellement. Troisième tour maintenant. Je suis tellement en train de tapoter partout pour pouvoir gagner le maximum de temps dans les virages. Après avoir pris connaissance du temps autour de son adversaire. Je peux pas non plus, même avec 70% d'avance, je peux pas aller à fond dans ce virage. Hein. Faut pas déconner. Et l'écart se comble. Corte à la sortie. Il vient de frôler le mur, on dirait. Vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. Aïe, j'ai l'intérieur. Heureusement qu'on n'a pas mis les dommages quand même. Bon, on va statu quo dans ces deux tours là. On n'a ni récupéré ni perdu de temps.
Il se trouve juste derrière lui maintenant. Il réduit l'écart. C'est pas vrai. C'est une Tyrell. Il a dû taper l'oreille. Bon, ligne droite, c'est sûr, je risque pas d'avoir l'avantage. Nous sommes à la moitié de la course. Il tourne plus vite que la voiture qu'il a pris en chasse. Allez, on est un poil plus près. On est déjà à mi-course. Classement de la course, à la première place, Michael Schumacher. En deuxième position. Non, c'est pas la course la plus longue, hein, sachant que c'est un circuit qui est assez, assez court. Enfin, toujours le nombre de tours. En quatrième, Eddie Orval. À la cinquième place, Mika Salo. C'est Salo. En sixième position, plus Giancarlo Fisichella. Chaque fois, hein, je me loupe la accélération, je retape l'extérieur. Il recule un peu. C'est logique. Ouais, je l'ai bien pris. En tout cas, les trois premiers sont vraiment pas loin. Hein. Ça y est, il comble l'écart. Le problème, c'est que je pourrais jamais passer la Ferrari comme ça. Une véritable Oula. Collision. Bah si, en fait. Il a dû freiner beaucoup plus fort que la voiture qu'il suivait. Il prend la quatrième place. Je pensais pas forcément doubler, hein. C'est juste que je voulais rester derrière lui. Et on s'est quand même touché. J'en ai marre. J'ai marre de toucher ce virage. Je crois que je me suis pris quasiment à tous les tours. La distance s'accroît. C'est Salo. C'est sûr, c'était un léger choc sur le rail. Alors je vous dis pas comme ça fait mal aux doigts, hein, ce circuit. Pouf. Bon, la Ferrari est derrière, elle va sûrement nous rattraper vu le nombre d'erreurs qu'on fait, mais bon. Il réduit l'écart. Il faut vraiment garder l'intérieur là dans la descente. Ça permet de vraiment accélérer quasiment sur la trajectoire. Voilà, là c'est bon, je l'ai bien pris, ouf. Il se trouve juste derrière lui maintenant. Les premières positions sont... Premier, Michael Schumacher. Deuxième position, Williams numéro 1. À la troisième place, Jean Alesi. Quatrième, Mika Salo. En cinquième, Eddie Orval. Que s'est-il passé? Il reste trois tours jusqu'à la fin de la course maintenant. À la sixième place, la Benetton, elle a beaucoup moins de. Ils se sont touchés, je beaucoup crois, moins de vitesse en accélération bien que sûr, la. Au que fur et à mesure des kilomètres, toutes ces opportunités qui n'en sont pas vraiment vont commencer à tarauder les esprits. Tôt ou tard, l'un d'eux va se dire je peux le faire et il va tenter le coup. Et il y a de grandes chances qu'il n'y arrive pas, qu'il finisse par taper la voiture qui est devant ou même le rail de sécurité. Il remonte, c'est sûr. Merci la pression, on sait tout va bien. Il précède le temps du leader au deuxième intermédiaire. Et il est entré en collision avec Alesi. Alesi qui avait fait gagner le Grand Prix d'ailleurs après l'abandon de Hill. Mais qui lui aussi avait un problème dans les stands. Du coup a dû abandonner. Allez, encore deux tours. Il n'a plus que deux tours à faire. Il est entré en collision. Oh ben la même, hein, que je te dis. C'est une Tyrell.
Jacques, il vient de frôler le mur, on dirait. Fantastique! Il est passé et il s'assure ainsi de la troisième place. C'est salaud! Un petit choc ici, Jacques, je crois. Vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. Mais sur le podium, par contre, le leader est vachement loin. Et j'ai une Ferrari qui me rattrape. L'écart se creuse. C'est Villeneuve qui est devant. Salaud! Je pense qu'il a... Salaud! Je me serais trop drôle que je fasse traquer juste à cause de ça, t'es. Putain, mon dieu. Gros mot, interdit en moins de 18. Mais c'est le nom du pilote, monsieur. Nous sommes dans le dernier tour. En tout cas, j'irai pas chercher la victoire, c'est sûr. En fait, pour le moment, j'ai juste repris ma place de départ. Hein. C'est quand même plus, rien de moins. Le leader, je sais pas où il est. Il remonte, c'est sûr. C'est une Tyrell. Il a probablement laissé un peu de gomme sur ce rail. Je regarde maintenant le classement de la course. En premier, Michael Schumacher. Deuxième, Williams numéro 1. À la troisième place, Mika Salo. Attendez, à la quatrième place, Eddie Irvine. En cinquième position, Jean Alesi. À la sixième place, Giancarlo Fisichella. Ah, j'étais passé, j'étais passé. Ce n'est pas d'abri, j'étais à l'intérieur. C'est une victoire. Il s'est rabattu. Le résultat de Ferrari va transporter de joie les tifosi. Et du coup, c'est une deuxième place, c'est incroyable. Yes. Ouf. Eh ben, ça fait du bien. On va marquer 6 points. Ah, je sais bien qu'il y avait Monaco qui pouvait être faisable pour scorer. Et bah du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, on n'a pas gagné, mais c'est... Ouais, deuxième place, c'est pas mal. Surtout qu'au départ, on avait perdu pas mal de positions, et je sais pas du tout quel rythme j'allais avoir. On finit à 14 secondes quand même, mais j'ai fait pas mal d'erreurs aussi hein, pendant la course. J'ai perdu pas mal de temps. Je pense que je vais perdre au moins 7 secondes, ouais, 7-8 secondes. Mais j'aurais quand même pas pu rattraper Schumacher dans tous les cas. Par contre, j'ai le meilleur tour en 1:11.657. Je crois que c'est mieux que la pole tout à l'heure, enfin que la qualification. Alors du coup, au championnat, bah, enfin, on remet des points. Ça nous fait donc 16 points. On est ex-aequo avec Jacques Villeneuve. C'est Schumacher qui est en tête du championnat avec 12 points d'avance sur Frenzen, ce qui est assez énorme. Allez-y, Irvine 13-12. Championnat constructeur 16 points. Ça nous fait un petit peu d'air sur Jordan qui est en train de revenir sur nous. Bon, pour les trois équipes de tête devant, je pense qu'on peut oublier. Si déjà on termine dans le top 6, on aura quand même fait quelque chose de bien. Bon, bah écoutez, la prochaine course, ça sera le Grand Prix de Barcelone. Ouais, on va galérer, je pense. Là, par contre, on va revenir sur Terre après ce podium. Mais bon, pourquoi pas, on sait jamais. Je vous dis en tout cas à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde.